Bienvenue sur ma chaîne de critique littéraire. Aujourd'hui, je vais vous parler de La princesse du Kansas de Caitlin Cray. Cette romance contemporaine promet d'être pleine de surprises et de rebondissements. La princesse du Kansas raconte l'histoire de Cassie, une jeune femme issue d'une famille aisée et très traditionnelle, qui tombe amoureuse de Jonah, un homme solitaire et mystérieux, qui travaille comme ouvrier sur la ferme de ses parents. Cassie est censée épouser un homme de son milieu, mais elle se sent attirée par Jonah, qui l'emmène dans un monde inconnu et excitant. Ce livre m'a beaucoup plu, car il traite de thèmes intéressants, comme les relations familiales, les différences sociales et la quête de soi. Les personnages sont très attachants et l'intrigue est bien construite. J'ai aimé suivre l'évolution de la relation entre Cassie et Jonah, qui se découvrent peu à peu et apprennent à se faire confiance malgré leurs différences. L'auteur, Caitlin Cray, a une plume fluide et agréable à lire. Elle réussit à créer une ambiance chaleureuse et dépaysante, en décrivant notamment les paysages du Kansas avec beaucoup de poésie. J'ai également apprécié le fait qu'elle aborde des sujets profonds et universels, tout en restant dans un registre léger et romantique. En résumé, La princesse du Kansas est une belle surprise littéraire, qui plaira aux amateurs de romances modernes et passionnés. Je vous recommande vivement de découvrir cette histoire touchante et émouvante, qui vous fera passer un agréable moment de lecture. Outro, voilà, c'est la fin de ma critique sur La princesse du Kansas de Caitlin Cray. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez voir d'autres critiques de livres, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. À bientôt.